Envie de partir pour le comté des Grands Rocs, l'artiste? Bien, ce sera rapide, un peu comme ton voyage. Appuie sur la commande pour afficher la carte du monde. Te voilà au garage des Champs Turbo. Les garages sont des endroits spéciaux car tu peux les utiliser pour faire des voyages rapides. Te voilà dans le comté des Grands Rocs, une nouvelle région à explorer regorgeant de nouvelles courses et activités. Il nous faut un garage pour faire un voyage rapide. Je vais trouver le premier, mais tu vas devoir trouver les autres par toi-même. Boum ! Voilà ton premier garage au comté des Grands Rocs. Bien ! Déplace simplement le curseur sur le nouveau garage du comté des Grands Rocs, puis lance le voyage rapide. Tu as atteint le comté des Grands Rocs. Je t'en voudrais pas si tu décidais de t'y installer définitivement. Mais ne te laisse pas avoir par l'ambiance paisible et les paysages de rêve. Il y a des courses partout ici. Les pilotes zigzaguent entre les monuments, franchissent les cascades cristallines et foncent à toute allure à travers la ville. Écoute-moi. Je sais que tu es capable d'intégrer le Grand Prix de la Coupe Céleste, de remporter le Trophée Céleste et de devenir le pilote numéro 1 de tout Bricklandia. Mais pour ça, il va falloir briller dans les courses, rafler des drapeaux à damiers et t'illustrer dans les grandes arènes de Brick. Ta première course est le Tourbillon de Poussière. Ça a l'air dangereux, vu le nom. Et ça l'est. Appuie sur la commande pour afficher la carte du monde. Déplace le curseur vers le Tourbillon de Poussière et place un point de repère. Comme ça, tu trouveras facilement ta première course. Et c'est grâce à moi! Ferme la carte du monde en appuyant sur Carte du monde et suis le point de repère vers le Tourbillon de Poussière. Broom et moi, on est là si besoin. À présent, va montrer au monde l'étendue de tes talents. Il y a de l'agitation au Tourbillon de Poussière, dis donc. Je ne te le fais pas dire, Jean. La ferme porcine tourne à plein régime. On nous signale plusieurs tornades. Et bien qu'une course soit sur le point de commencer, l'école d'aviation de Gustave Viation donne encore cours. Ambre, j'ai eu l'occasion de parler à Gustave avant la course. Je n'ai pas bien compris ce qu'il baragouinait, car il avait la bouche pleine, mais une chose est sûre, il a faim de victoire. Wow.
de rester où. Déploiement du Zermatt. Souviens-toi de ton entraînement. Plus qu'un tour. Continue comme ça. Zut, je dois te donner mon drapeau à damier, c'est ça? Très bien pris. Ne le salis pas, d'accord? Je viens de le laver. Non, c'est pas vrai. Tout le monde n'arrête pas de me dire de bosser un peu. Je devrais peut-être les écouter. Tu as battu ton premier rival. C'est moins bien que de me battre moi. Mais ça t'a valu un drapeau. Je vais ajouter ce drapeau à damier à ta collection. Ça en jette et ça te rapproche de la grande arène de briques du comté des Grands Rocs. Encore une chose, l'artiste. Avant de refaire des courses, tu vas devoir prendre du galon pour arriver à la cheville de tes deux prochains rivaux. Gagne de l'XP et monte en niveau. Trouve des épreuves sur le pouce, des quêtes et des défis en parcourant le monde. Appuie sur la commande pour afficher la carte du monde. J'ai indiqué les deux prochaines courses sur ta carte. Le niveau requis pour débloquer une course s'affiche sur l'icône que tu vois ici. Ton niveau actuel s'affiche dans la barre d'XP en haut à droite de la carte du monde. Tout est en ordre? Super! On est parti! Oh, oh, oh.